Et direction à présent Chassignolles dans l'Indre pour la 10e édition de la Grange au piano. On retrouve sur place Marine Rondonnier. Et Marine, vous avez assisté à un concert de jazz contemporain hier soir. Bonjour, et oui, c'est un moment hors du temps que nous ont proposé Mathias Lévy et son trio hier soir. Je vous propose d'écouter ce premier extrait. Il s'agit de Valse pour les monstres. Il a été composé par le violoniste pour ses enfants quand il part en tournée. Le deuxième extrait est un morceau composé avec des influences indiennes, mais aussi de la musique baroque. Je vous propose de le regarder tout de suite, on se retrouve juste après. Le public n'était pas très nombreux hier soir, ils étaient à peine 140, mais ils ont été conquis par ce concert de jazz contemporain. On écoute dans l'ordre Geneviève, Josiane et Jean-René qui ont assisté à ce concert. Il est vraiment un virtuose du violon, parce que vraiment il manie l'archet, vraiment avec dextérité. Hein. C'est une musique qu'on n'écoute pas à chaque instant sur les radios, etc. etc. Donc c'est vraiment un moment tout à fait plaisant. C'est quelque chose qui peut peut-être désorienter notre public local, mais qui est là aussi pour nous ouvrir totalement à la musique, à toutes les musiques. Et ce spectacle-là, ce soir, univers, je pense qu'on était tous unis, quelle que soit notre origine, vers cette musique, ce ciel qui nous ouvre chez lui, là, à la Grange au piano. Merci Cyril, merci Mathias Lévy. C'est un très grand moment qu'on vient de vivre, on est très satisfaits. Le prochain concert à la Grange au piano, ce sera Cordes croisées, un duo guitare-piano avec Cyril Huvé et Pablo Marquez. Ce sera à 20h30 ici à la Grange au piano. Et nous, on se retrouve à 19h avec Cyril Huvé en invité. À ce soir.